Ryan Zazin et aujourd'hui on se retrouve sur Internet pour l'épisode 7 et je viens de me faire mal. Je suis en compagnie de Corodil 85, ouais. Je me prosterne devant Corodil. Tu es par terre. Oui, je sais, je suis par terre. Attends, c'est quoi déjà les trucs qui pointent? Toi là. C'est quoi les waves, c'est quoi ça? Oui, oh ouais. Un peu plus, c'est quelle touche? Attends, c'est G. Ouais, pour ça, pour ceux qui savent pas, c'est la touche G. Non, tu restes appuyé sur G. Ouais, mais il faut pas que t'aies quelque chose dans la main, je crois. Ah. Non, faut pas qu'il y ait quelque chose dans la main qui t'a dit abruti. Je crois. Alors, G. Ah ouais. Oui. Bon allez, un peu de sérieux. Donc on a rasé de la map. Donc vous voyez tous les arbres que j'ai coupés en fait. Oh, c'est arrivé. Oh. Je vais bouffer! À bouffer! À table! À table! Faut essayer de pas tout manger. Tu veux pas de la purification tablette? Pour? Bah, pour ta maladie. Bah, c'est bon, je suis qu'à 9%. Ouais, bah, ce sera toujours ça. Toi, je vais te donner un peu de. Ouais, oui. Donne, monsieur. J'ai faim! Moi aussi, j'ai la faim. Je suis à 92%. Il faudrait qu'on aille chasser. Ouais. Alors? Bah, il faudra faire un feu de camp. Oui. Dès qu'on a le feu de camp, moi je vais. Oui. Par hasard, on peut pas mettre le feu de camp dans la maison? Si, ça crame pas. Ça crame pas? Non, c'est bon. Ils sont à moi les deux trucs là? Oui. Moi aussi j'en ai. Les deux trucs, les deux patates? J'en ai que deux, puis tout le reste ils servent à faire justement des. Oh, attends, j'étais à 93 et ça me descend jusqu'à. 63. Donc ça fait 30%. Faudra noter, les patates, ça fait 30% de bouffe. De biouf. De bouffe, comment on parle de bouffe? Tu te la... je vais te mettre la... Des défenses et puis des... Attends, là ça va être l'endroit pour... Non, on va pas passer par là pour les voitures. Non, là c'est l'entrée principale. Donc le truc qu'on peut faire, c'est déjà ça. Hop. On va commencer à s'équiper contre les zombies. On va mettre les défenses. Ah là. Et là, si on trouve des pics là, tu les mets entre. Ok. On commence à avoir une bonne. Un bon jardin là. Ouais, on commence à. On n'est pas mort déjà. Hein. On croyait perdu, mais non, c'est bon. On est pas mort, on se croyait perdu, ouais. Mais j'ai failli mourir. J'ai failli mourir t'as de faim. T'as failli décéder de. Mais de la mort. Je ne suis pas mort. Donc ouais, si vous jouez pour la première fois, c'est fort probable que vous mourrez. Nous, la première fois, on a fait que ça, mourir. Du coup, qu'est-ce que je voulais faire? J'attends que Ayan Zazin se renseigne un peu plus. Attendez, je vais vous faire voir d'ailleurs. Regardez, on a un plafond, les gars. On a un plafond, puis des murs. On a des murs. Les gars, il y a peut-être des filles qui nous regardent. Oui, c'est vrai. Les gars et les filles. On a tout. Mais ça se trouve, il y a personne. Ça se trouve, il n'y a personne qui va regarder. Comme on fume tout d'affilée, ça se trouve, il n'y a personne qui va regarder en fait. Ça se trouve, c'est cassé le cul pour rien. Mais non, ça nous fait plaisir. Je rigole. Si on le fait, c'est que ça nous fait c'est plaisir. Qu'on l'a fait. Bon, moi je vais aller. Oh, déduction. Vu qu'on a reset la map. Ouais, faut la refouiller la ville. Je vais refouiller la ville, moi. Si t'arrives à trouver un truc pour réparer les voitures. Ouais. J'aimerais. Du coup, ça je vais dropper. Du coup, bonjour monsieur le zombie. Aussi. Ça du coup, je vais redropper aussi. Mais pourquoi tu drops tout? Pour faire de la place. Comme ça, après, pour aller chercher du bois. Moi, je serais d'avis d'aller fouiller la base militaire aussi. Et tu me fais chier, toi. J'ai même pas fini ma maison. Bah, fini. Une fois qu'on aura fini la maison. Waouh. Bonjour monsieur. T'as vu? Y a ton truc que tu veux là. Mon truc, oui. Alors, du coup. Il parle du boîtier d'acquisition, d'ailleurs que j'espère. L'avoir. Ah, peut-être, vu que c'est l'épisode 7, celui-là, peut-être que je l'aurai déjà. De toute façon, vous verrez bien s'il y a des vidéos de GTA 5, parce que je prévois de faire des vidéos de GTA 5. S'il y a des vidéos de GTA 5 déjà sur la chaîne, c'est que je l'ai déjà. Tout simplement. Potato chips. Tout simplement. Alors, si je bouge pas, c'est normal, c'est que je cherche le craft de. Du feu de camp en fait. Oui, toi tu bouges même plus, tu sais, ça se trouve ils vont croire que ça a bugué. Ça se trouve quand je vais faire le montage, je dis mais merde, ça a bugué, ben non. Non, c'est que je bouge plus. Feu de camp.
Le mec, il a eu son téléphone, il cherche le feu de camp internet. Voilà. Ouais. Tant qu'on arrive, on essaye de combler derrière. Enfin, je trouve des potato chips. Des potato chips. Oh, il y a des granola bar ici. Attendez. Et il fout de ma gueule, lui, il y a même pas d'image. Ah si. Quatre. Flash. La pioche, oui, je l'ai. Ouais, parce qu'il me faut 4 pierres. Chocolate bear. Oh. 4 bâtons. Eh, mon gars. Oui, ça me fait des forces. J'ai presque plus faim. Je suis à 4%. Oui, parce que tu pouvais me ramener le truc. Je te ramène une barre de chocolat. Oh, regarde, il y a un casque jaune. Et du canet de tuna. Tuna, je sais pas ce que c'est. Appel à la population. Enfin, la population, ouais, à vous. Mais et les viewers, si des fois... Moi, vous savez ce que c'est du tuna? Ben, c'est pour tuner. T-U-N-A en anglais, je sais pas du tout ce que c'est. Dites-le. Ce sera toujours un plaisir d'enrichir le vocabulaire en anglais. Cordialement. Oui, parce que depuis le temps qu'on joue, on a toujours pas précisé que. Il y a un vaccin! Le jeu est que en anglais. Oui, le jeu est en anglais. Moi, je pense que ça peut. Je pense que ça se voit. Non. Et du coup, j'allais dire que j'allais te donner le. Oui, parce que je veux ma hache, moi. Hein. Ma pioche. Putain, mais j'en veux, c'est sacré. Surtout que je l'ai donné. Bah, je vais te donner la pioche. Je vais te donner à manger. Et je vais te donner aussi le volet en bois que j'ai ramassé dans l'épisode précédent. Ouh, un renvoi, excusez-moi. Je trouve que ça s'est pas entendu, mais. Oui, bah, j'ai eu un renvoi quand même. Je précise quand même, on sait jamais si ça s'est entendu. Bah, c'est entendu. Bref. Alors, je te donne ton chocolat. Le chocolat. Du canet tuna. Tuna, c'est une tuna. Ah, bah, t'as juste à lire la description. C'est du poisson. Le tuna. Tuna fish. Bah oui, ça ressemble à des boîtes de thon. Bah oui. T'es con. Bah oui. Ah bah voilà. J'ai du coca si tu veux. J'ai deux canettes de coca. Putain, mais pourquoi les sticks sont toujours rares? Mais normalement, tu peux les. Mais. Il dit sur le wiki, mais j'ai jamais réussi à faire ça. À partir d'une bûche, tu peux avec une scie, tu peux faire des sticks, mais j'ai jamais réussi. Après, peut-être qu'il faut avoir le niveau 2 de craft, mais ça me paraît bizarre. C'est genre, tu sais, il faudrait avoir le niveau 2, c'est un peu pas dégueulasse, mais ouais, c'est ça fait bizarre. C'est, ça serait un peu injuste, tu vois. C'est des trucs que tu peux avoir. Enfin bref, je bablasse. C'est la merde. Non, ouais, non, pour moi, ce sera des trucs de base quoi, que tu peux avoir, mais. Ouais, non, c'est pas de la merde ce que tu dis, mais. Ouais, pour moi, ça serait des choses qu'on pourrait avoir de base, mais apparemment, peut-être pas. Apparemment. Ouais, ça y est, j'ai réussi à trouver mes mots. Une fois de plus, je perds mes mots, hein, comme d'habitude. Franchement, c'est pas très passionnant ce que je mets là. Hein. Je suis en train de dropper depuis tout à l'heure. Hein. Je ramasse surtout le vaccin. Je m'en excuse. Oh! Oh, il a sursauté. Comment il a sursauté, mon gars? Ah, oh, c'était mignon à voir, quoi. Ah, j'ai sursauté. Ah, il a flippé sa j'étais race. J'étais tranquillement dans la pharmacie en train de prendre les choses et puis t'as l'autre zombie qui vient de me bouffer là. Oh putain. Wouh. Ah, j'ai sursauté. C'était beau. Ah, franchement, c'était magnifique. Putain, bon, il est pas aussi immersif que ça quand même comme jeu. Non, normalement il fait pas si peur que ça, mais bon. Là, c'est la première fois que je sursautais. Oui, dans ce jeu là, oui, c'est vraiment, je te vois. C'est... Bon, on va couper du. Ah, mais il m'a surpris l'enfoiré. Remettons de nos émotions. De nos émotions. Et encore une fois de plus, c'est moi qui filme et il va faire nuit. Ah, t'as eu un peu de jour quand même là. Oui, alors. C'était vraiment qu'un peu. Hein. Donc j'ai dit 4 stones. On va faire des coffres aussi, jeune ami. Bah, 2 secondes, hein. Non, pas des coffres. Enfin, oui, pas des coffres, des boîtes. Comment on les fait, des boîtes sacrées? C'est avec... Attends, dans mes souvenirs, c'est... C'est avec des wooden cross et des planches. Enfin, des planches, les... Je sais plus exactement. Bah, bravo. C'est avec 3 wooden cross et ça doit être avec deux choses qui sont inférieures à la wooden cross, je sais plus c'est quoi, mais déjà. Je m'en rappelle plus. Et bon, on ira voir sur le wiki. Hein? On ira voir sur le wiki. Internet est notre ami, il faut l'aimer lui, les noter. Alors. Hop, j'ai ramassé encore des balles de fusil à pompe.
Donc normalement, j'ai des last spawns. Ah, j'ai pas mal de balles de fusil à pompe, je vais pouvoir commencer à l'utiliser mon fusil à pompe. Enfin, c'est de la roche, mais bon, la roche, on peut largement la transformer en stone. Hein. Apple juice, on s'en fout aussi. Et si c'était pas magnifique ça, les mesdames et messieurs. Mesdames et mesdames. Ça va commencer dans un instant. Et voilà! On a du feu en plein milieu de la maison! Ah, t'es sérieux? Oui, faut aller chasser. Wouh, on va pouvoir aller chasser! Je disais aussi que c'était pas super très cool. C'est pas compliqué, non? Oh! Granola bar. Sauf que je peux pas la ramasser. Alors? Je ne peux pas la ramasser. Du coup, la stone, de toute façon, on a tout ce qu'il faut à manger pour l'instant, vu qu'on fait pousser. Mais n'empêche qu'on va aller chasser quand même. Oui. Des planches, j'en ai à foison, quoi, c'est un truc de dingue. Hop, ouh. Déjà 11 minutes. Et là, bah bonjour. Ouais. On a rien. Il y a un travel pack, c'est un travel pack que j'ai. Bah, c'est fort, ouais, je veux absolument chercher un. Des wood and cross. Okay. Non, un... Je retourne sur le wiki. Je vais absolument trouver le sac à dos, je m'en rappelle, le truc militaire là, je sais plus comment il s'appelait ce truc. Non, pas Wikipédia, j'en ai rien à foutre de Wikipédia. Je sais plus comment il s'appelait. Interne. Hop là. Je trouve plein de. Bon, bah dans cet épisode, vous aurez vu. De boîte de jus de pomme. Ah, bah non, bah ça fait 11 minutes. Bah, qu'est-ce que tu me racontes, toi? Mais si, c'est ce que je dis, 11 minutes. Non, t'as dit c'était bientôt terminé. Bah, 11 minutes. Je te crois bientôt terminé. À 3 minutes près. Et c'est pas bête tout terminé. J'ai le temps de boire. Oui, c'est sûr que t'as le temps de faire des choses en 3 minutes. Mais voilà. Oh, il fera pas nuit. Ah. Et toi, il aura la nuit, c'est toi. Ah, c'est grave, ouais, c'est moi qui vais avoir la nuit. Wooden door. Wouh. Putain, on a... Sleeping bags. Bah, putain. Bah, c'est bon, on a tout ce qu'il nous faut. Donc, wooden door, ça, c'est une porte en bois, ça va être génial pour la maison. Et sleeping bags, c'est un sac de couchage. Un sac de couchage. Sauf que j'ai aucun truc, je peux pas le... J'ai mal à ma dos. Alors le truc que je vais faire, c'est que j'ai un... sleeping bags, hop. Qu'est-ce que je vais pouvoir... Dressing. Bon, on va faire le bandage. Ouais, je suis déjà à 100%. Je n'ai rien à dropper. Putain, mais vous êtes sérieux? J'ai perdu mon... J'ai absolument rien à dropper. Oh, c'est pas la bouquet internet, c'était craft internet. Oh là 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 là. C'est bien qu'on ait un petit feu parce que ça éclaire. Ouais. Donc pour l'éteindre et l'allumer, il y a rien de plus simple. F. Ouais, je appuie sur F. Bah d'ailleurs, comment on fait les torches déjà? Tu dois savoir, parce que oui, il en fallait des torches pour faire le... Le feu de camp. Non. T'avais pas besoin de brasier? Fallait juste de la stone et puis des sticks. D'accord. Bah du coup ça devait être un stick et puis du bolt, je crois. Il me semble. Bon, je vais mettre le sleeping bags. Bag. Où c'est que je peux le mettre mon sac de couchage? Je lui mets là. Je sais pas où que tu vas. Je mets mon sac de couchage. Ici. D'accord. Hop, il est à moi. Mais normalement, enfin d'après ce qu'on a compris, normalement on devrait spawner dessus une fois qu'on est mort. Mais on a déjà fait l'expérience et ça marche pas. Bon, 14 minutes, ça va être la fin de cet épisode. Ouais. Bon mais les amis, hein, n'hésitez pas à aller voir les autres épisodes. Si vous les avez pas vus. Si vous les avez pas vus. Sinon on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Voilà. Donc. Et c'était Corrosive 85. Et Yann Zazin. Pour Player2FR. Allez, salut. Salut.